Après 5 années passées dans le camp de réfugiés des Dadaab au Kenya, cette famille somalienne décide de rentrer chez elle en Somalie. Il s'agit d'Ali, sa femme et leurs 5 enfants. Tous les enfants sont nés à Dadaab, une ville du comté de Garissa au Kenya. Pour les enfants, leur patrie, la Somalie, est encore inconnue. Il me faut un travail pour m'occuper de mes enfants. Ils en ont besoin. Dans mon pays, si nous avons besoin d'aller loin pour trouver du travail, nous y allons. S'il y a du travail à Garissa ou à Nairobi, nous ne pouvons pas partir sans une carte d'identité. La Somalie sort lentement de près de 2 décennies de guerre. Pour Ali et sa famille, la paix commence à régner dans ce pays. Cependant, à leur arrivée, Ali reconnaît à peine la ville qu'il a laissée derrière lui. Aujourd'hui, l'objectif de cette famille est de reconstruire une nouvelle vie. Kismayo a beaucoup changé. C'est devenu une grande ville. J'ai du mal à dire où se trouve mon quartier aujourd'hui. Je vais rester avec mes parents jusqu'à ce que je trouve un emploi. 3 semaines après son arrivée, la famille a enfin trouvé une maison à elle. Mais les conditions de vie restent encore difficiles. Les choses ne se présentent pas comme je l'espérais. Je m'attendais à mieux en retournant dans mon pays. J'espère que tout cela pourra changer d'ici les prochains mois. Pendant les années de conflit, plusieurs milliers de Somaliens ont trouvé refuge au Kenya. De longues années d'exil qui n'ont toujours pas été faciles pour la communauté somalienne. Aujourd'hui, Ali et sa famille retrouvent le sourire. Ils espèrent voir leurs conditions de vie s'améliorer au cours des prochains mois. Adam.